Salut tout le monde, et on se retrouve pour affronter Nefarian, le dernier boss de la dernière aile de Mont Roche Noir. On est évidemment en mode héroïque. Son pouvoir pour deux coups en mana invoque deux serviteurs 4-2. Donc on prend un freeze mage avec quelques variantes quand même. Évidemment, quand on sait que ses serviteurs ont deux points de vie. On pense tout de suite au mouton explosif. Donc on l'ajoute au deck. Évidemment, on garde rien. C'est déjà mieux. My work is paramount. Leave me alone. On va nettoyer. You require my assistance. I can't do that. Donc avoir le combo Antonidas et Torii-san, c'est quand même nickel. Ça va me faire des boules de feu en réduction. C'est quand même plutôt cool. I don't have enough mana. To battle. Aha. Donc j'ai combien? J'ai 8 cartes. Et des boules de feu qui coûtent quasiment rien.
Adieu Torii-san, mais il a été quand même hyper bien rentabilisé. Alors, j'ai combien? 3, 6, 9. Hop. Dégage. Battle! I will rain destruction upon you from above! Gaze now upon my ultimate creation! Rise, sister! Rise, Onyxia! Oh, c'est pas très gentil. Bon, j'ai quand même assez de boules de feu pour le finir. On veut tuer l'autre boss le plus rapidement possible, sinon Nefarian vous envoie à chaque tour un point de dégâts supplémentaire. Donc la première fois un point, ensuite deux points, trois points, etc. Donc il faut s'en débarrasser le plus tôt possible. J'ai Blizzard pour freeze tout le monde au prochain tour et je lui enverrai des boules de feu à foison. Allez, pour le plaisir.
Et pour avoir battu tous les boss en mode héroïque de Black Rock Mountain, on a un magnifique dos de carte. Super, merci Blizzard. Clac, 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 clac. Allez, on va voir le deck. Même si on a vu quasiment toutes les cartes. Donc c'est très proche d'un freeze mage. La seule chose, la seule petite variante, c'est les moutons explosifs pour nettoyer. Et puis c'est tout. Les deux moutons explosifs à la place de une intelligence des arcanes et d'un loot order. Donc là, ce qui a fait gagner la partie, c'est de pouvoir combiner Empereur Torisan et Antonidas et les faire survivre pendant 2-3 tours. Ça m'a donné des dizaines de boules de feu à prix réduit. C'était parfait pour le tuer, quoi. Voilà. Bah écoutez, c'est la fin des vidéos sur Mont Roche Noire. Tous les boss affrontés en mode héroïque. C'était pas toujours facile. Il y a eu certains boss qui étaient vraiment très compliqués, d'autres qui étaient assez faciles. Donc j'espère que les vidéos vous auront plu. N'oubliez pas de nous suivre sur grabetest.com. Vous pouvez aller voir les articles, les news, les tests. Faites des commentaires pour dire ce que vous en pensez. Vous pouvez aller sur la page Facebook pour faire un petit like, ça nous aidera. Et puis on se retrouve pour des vidéos sur peut-être Hearthstone ou sur d'autres jeux. Voilà, bah écoutez, je vous remercie, à bientôt.